bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Spider-Man 2 avec évidemment le retour de notre Peter Parker préféré. On va commencer par un petit crime. D'habitude 4K 60 FPS. Mets-toi bien, chacal. Et vous allez voir qu'on va passer un agréable moment tous ensemble si tout va bien. C'est incroyable ça. J'essaye de tout esquiver. Ça commence à devenir chaud tout ça. Oh, merci mon frère. Ça, c'est un frère. Je n'ai rien demandé. Hein. Vraiment, il n'y a pas de touche magique. Hein. C'est totalement le hasard. Hop, tiens, prends ça dans ta gueule, toi là-bas. C'est pas Miles, c'est le frère. Le Miles, c'est le S. Tiens, toi. Hop. Oh là, mais Miles, il envoie. Oh, il envoie. Allez. Bien joué mon frère. Faut qu'on la retienne celle-là. Sérieux? Je pensais que ce serait moi qui donnerais le dernier coup. Ah, l'orgueil, notre ennemi. Deux. C'est toi Spider-Man. J'adore l'humour. Ok. Bon, on avait dit. Alors, je vais pas vous mentir que cet épisode sera sûrement l'un des moins intéressants. Pourquoi? Parce que on va se pencher sur la quête secondaire, tout simplement. On va se faire plaisir, on va faire toutes les quêtes secondaires. On essaye d'aller vraiment au maximum. Allez, et donc là, on reprend où on en était. Allez, avec la flamme. Souvenez-vous, cette fameuse secte qui nous avait dit d'aller le rejoindre il y a longtemps par ici. Non. Il respire encore. Je sais pas si la flamme aura cette chance. Yuri m'a bien dit à quel point il était dangereux. On sait strictement rien sur leur projet d'or écarlate. Après, c'est une secte. Et elle, elle fonce tête baissée. Après, c'est une secte. Pas ouf, les sectes. C'était pas dans la prophétie. Fais confiance à la flamme et reste au taquet. Elle finira par s'en aller. Eh, hey, où tu vas, toi? Ok. T'as entendu? Ah. Compliqué, cette histoire. La sieste. Ça a l'air de passer, hein, sur un malentendu, ça passe toujours. Très bien. Debout. Es-tu digne? Qu'est-ce qui peut bien faire ces bruits? Ok, c'est pas mal. Reste calme. C'est pas mal. C'est le même bruit que tout à l'heure. C'est pas mal. Et toi, c'est fini. Et ben voilà. Bon allez. On va rentrer dans le où château. Où est-ce que vous êtes, Yuri? On va rentrer dans le château. C'est une très bonne question, hein. Où est-ce qu'ils sont, hein? Sûrement là-dedans. J'aime pas beaucoup ce bruit. Ok. Ouais, flemme de marcher, hein. Il faut à tout prix que je la retrouve. Okay. Est-ce que quelqu'un m'entend? Personne?
Mort. C'est une carte de Brooklyn. C'est là que l'heure écarlate est censée se passer. Qu'est-ce que vient faire Oscorp dans tout ça? C'est vrai que toujours pas de signe de bouffon vert ou autre, hein. Toujours pas de signe pourquoi de bouffon vert ou autre. Ça serait incroyable qu'il apparaisse, hein. J'y crois pas trop, mais déjà c'était une très belle surprise, MJ. Un entrepôt, en Venom. Une décharge, un parking, une bibliothèque. C'est quoi le lien? Ok, j'ai fait un 360 Moscope, y'a plus rien, nickel, allez. Ok. Mes très chers Marais, on m'a rapporté que certains d'entre vous étaient inquiets à cause des pertes enregistrées ces temps-ci à la clinique. Personnellement, ce qui m'inquiète, c'est plutôt votre vision des choses. Ces presses que nous avons perdues se sont avérées être totalement indignes de nous. Et même si elles nous manquent, bien sûr, nous n'en ressortons que plus forts sans elles. Donc, quand Yuri et l'idole des fous viendront nous rendre une petite visite, je compte sur vous pour que vous leur montriez à quel point vous êtes dignes. Croyez en la flamme, car tout brûle ici-bas. Mais c'est qui ce type? Ok. Bon. Je pensais que cette histoire de mon enflamme, c'était qu'une métaphore. Mais je commence à croire qu'ils veulent vraiment que ça arrive. Jusqu'à ce que Sonneleur écarlate. Ouais, mais c'est, ils sont dans un truc qui bizarre un peu, non? Ils sont dans un truc bizarre. Qu'est-ce qu'il nous reste à regarder? Bah, plus grand chose en vrai, hein. Plus grand chose, hein, si. Les seigneurs sont vraiment dans un très sale état. Oh, on peut se barrer, hein. Non! Qu'est-ce qu'il y a encore? Ok. Vous me dégagez tout ça dès que possible. Où est passée l'équipe du toit? C'est pas toi le devis. Ça y est, c'est grave. Maintenant, vite! Yuri est derrière ces décombres. Si je neutralise ses adeptes, j'arriverai jusqu'à elle. Et la flamme. Ok. À savoir que Kraven n'existe plus, il est mort. Ils fabriquent des explosifs? En fait, ils n'attendent pas leur écarlate. Ils veulent la provoquer. Nous devons faire disparaître ce monde. Ok. J'ai entendu quelque chose. C'est lui qu'il faut que je focus. Ok. Et confiance. C'était rien. Viens par ici, toi t'es tout balèze. Un balèze en moins, je peux te dire que ça fait du bien. Alors, c'est tellement tentant d'appuyer sur le truc. Encore. Mais d'un autre côté, vous savez que ça peut alerter tout le monde. Très bien. Alors que comme ça, au moins, là, on est à peu près serein. Bon, bah, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal du tout. Encore ce bruit. Écoute, il y a quelqu'un ici. Ok. Pas mal. Ici. Pas mal. On est pas mal. Bah, c'est pas mal, tout se dégoupille plutôt bien finalement. Je m'attendais à bien pire, mon petit pote. Je croyais que t'étais digne. Notre flamme, ça va? Si j'entends encore ce bruit. Ok. On s'est inquiété pour rien, je crois. Je t'entends, l'idole des fous. L'étoile de l'idole des fous. Je dois croire en la flamme. Ok. Bonne nuit, mon petit. C'était lui? Très bien.
Allez, viens par là, toi, Wulish. Allez, c'est terminé! GG Wellplay! Il faut virer les décombres. Entrez dans le sanctuaire. Allez, on y va. On n'est pas encore à l'abri que ça parte en couille très fort hein, et qu'on n'ait pas le choix de faire une petite session fight des familles. Mais personne n'a parlé de ce... Arrêtez! L'idole des fous en personne! J'avais prédit qu'il viendrait! Non! Je savais que tu avais ça en toi, Yuri. Voilà. Maintenez la pression dessus, le tonton. Et ben voilà, je m'en doutais un petit peu. Si vous voulez la flamme, vous devrez d'abord me passer Allez. Dessus. Dans ce cas, préparez-vous à souffrir le martyr. Bon, j'en ai malheureusement déjà utilisé un. Tu n'as pas le choix. Tu vas devoir le tuer, Yuri. Selon la prophétie, il ne s'arrêtera jamais, tout comme toi. Je m'en occupe de toi, j'ai juste après. La flamme doit à tout prix mourir, Spider-Man. D'autres gens vont encore souffrir s'ils restent en vie. Allez, on casse la gueule et on voit la suite après, ok? Ce genre de choses, ça finit toujours mal, Yuri. Faites-moi confiance. Vous faire confiance? Et si c'était à vous de me faire confiance? Vous n'étiez pas là la première fois qu'il s'est échappé! Vous n'avez pas vu les corps! Vous n'avez pas vu son visage! Non! J'ose même pas imaginer! Mais c'est pas une excuse! Vous avez vu, je commence à... J'arrive de mieux en mieux! Allez, gros coup d'un Chicos. Je ne peux pas le laisser s'échapper! Encore une fois! Eh bien, c'est dommage, Yuri! Ouh. Et ben voilà. Tous mes compliments, vous allez passer le reste de votre vie dans une cellule. Et tout ça, c'est grâce à toi. Oh, c'est magnifique. Je devrais pas, mais je sens que ça va me défouler. Dégagez de mon chemin. Okay. Vous savez que j'ai pas le choix. Ça commence à me plaire. Cessez de faire, c'est juste. C'est ça, comme si vous saviez ce que ça veut dire. Allez. Un bon pied de bouche. Ouvrez les cieux. Putain, mais elle est grave balèze, hein! Vu que la flamme, ça date la quête, je me suis dit, vas-y, elle va être claquée! Mais les gars, si je suis pas concentré, mets la fessée, hein! Vous cherchez plus à être bon qu'à faire le bien! Et ça, depuis le début! Avant, vous pensiez qu'on pouvait faire les deux? Oui! Et puis j'ai grandi! J'ai eu. Vous parlez comme si j'avais jamais sauvé personne. Oh, et vous n'avez jamais laissé mourir personne sous votre surveillance. J'en doute. C'est vous qui vouliez attendre avant de venir ici. Si on avait suivi votre plan, la flamme se serait déjà échappée depuis longtemps. Vous êtes taillé. Non, non. C'est pas à vous de décider ce qu'est la justice. Comment osez-vous? Vous n'êtes qu'un homme qui porte un masque. Vous et toi, t'es quoi? Héros. Je comprends pas.
Oh, t'as des pouvoirs, cousine! Combien de fois vous vous êtes planté? Beaucoup trop! J'ai jamais dit que j'étais parfait! Alors arrêtez de faire semblant et finissons-en avec lui! Vous arriverez jamais à me convaincre! Elle est en train de me fumer tout ce que j'ai. Yuri! Établir vos priorités. Parce que je préfère perdre le sommeil pour une personne que j'ai tuée plutôt que pour toutes celles que j'aurais échoué à sauver. Ok. Je connais mes priorités. La flamme ne fera plus de mal à qui que ce soit. Je le trouverai. D'une manière ou d'une autre. Bon. Vous avez les moyens d'essayer une nouvelle tenue ou un nouveau style. Je sais. Dites-moi en commentaire si vous voulez encore qu'on change de tenue de temps en temps. Écoutez, on a fait une très belle quête principale. Très belle quête secondaire, pardon. Pourquoi pas en faire une autre? Et je vous propose soit Miles enquête sur le vol du musée, le fameux. On reprend. Soit... Eh, franchement, ça me chauffe, Bebop. Hein. Let's go, hein. Allez, on récupère Miles! Waouh! Bon. Je viens de tomber sur un article de recherche fascinant, publié par une professeure de l'université de Morningside. Elle appelle ces créatures qu'on voit partout en ville des symbiotes. Parce que. Elles vivent en. Symbiose avec. Les amis, c'est terrifiant. La menace est réelle. Ok. On ferme boutique. Ok. On tire des mecs, il n'y a pas de guns. Ok, on revient par ici. Oh non, il se bat. L'heure est venue, Spider-Man. Ok. Hein? Alors, on est baisé. Wesh. Ok. Quoi? Sérieux? Wesh, il se passe quoi? C'est quoi ça? On arrête de me casser les couilles! Et toi, t'es mort. Allez. Oh! Toi, mon petit pote. Wouah, c'est quoi ça, frère? Voilà. C'est fini. Bah, c'était tendu du slibard, hein, quand même. Hein. Non, je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Oh, waouh! Donc je peux faire aussi les quêtes avec, non pas Peter, mais Miles.
Par contre, je viens de remarquer que Miles a moins de vie ou c'est moi? C'est moi qui suis fou, les amis? Ou c'est le monde qui est fou? Je sais pas, on va voir. Hein. On va rentrer dans ce petit tubes. Un petit filou tubes. Allez, on est parti. Ok. Direction la suite. Souvenez-vous du musée qui a été braqué, évidemment, cambriolé. Et on avait retrouvé un camion sur deux. Et il fallait le deuxième pour que la mama puisse continuer son travail, vous l'aurez compris. Ah, mais attendez, mais ça me fait peur, ça, par contre. Les petits crimes avant, c'était 10 secondes, là, frère. Ça me terrifie, là, vraiment. Allez, faut bien les faire. Des sales types s'en prennent à ces gens. Je m'en occupe. Ok, yo, les gars. J'ai dit yo, les gars. Ah non, c'est bon, j'ai autant de pichets. C'est juste qu'en fait, la barre est bleue, ça m'a un peu déstabilisé. Allez, dites-moi que c'est déjà fini. Oh! Je vais vous déposer près du. Eh, viens par là, mon petit pote. On s'occupera de vous. Oh mon Dieu. Merci. Ils ont tous la marque de Dre, les Beats by Dre. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est du Apple pourtant, mais ah, quoique non, c'est peut-être le pas, casque Sony XM. XM 3003, un truc comme ça. La moyenne. J'y crois. Allez. Et dégage, voilà. Je vais plus te voir. J'ai un camtar à récupérer. Dieu te bénisse, Spider-Man. Allez. Fais-moi la paix. Si seulement on avait un Spider-Man. Le seul problème, les amis, je vais être totalement transparent avec vous, c'est que j'habite à Montargis. À Montargis, les gars, hauteur maximum du building. Un étage. Ça sera le Spider-Man le plus claquos que t'aies jamais rencontré de ta vie, mon frérot. Ça, faut le savoir. Hein. Faut vraiment se figurer le truc. On a toujours pas fini, d'ailleurs, les quêtes de sable. Il doit en manquer un ou deux, quoi, pas plus. Ok. Et j'aimerais vraiment... Oh, quoi? On a trouvé un truc, là? Allez. Allez, mon petit pote, let's go. On y va. Allez, une attaque de bus, pas le temps. Le numéro de téléphone sur le camion en fourrière date d'avant les années 70, avec des lettres. Harlem 74321. Le camion qui a disparu avait le même numéro ? Ouais. Mais je vois pas où tu veux en venir. Avant les années 70, les camions polluaient énormément, parce qu'ils n'avaient pas de pot catalytique. Mon bureau a fait une demande pour leur interdire de circuler. Et aujourd'hui, il y a très peu de vieux camions dans le quartier. Si seulement on avait un moyen de les localiser. J'ai peut-être une idée. Bien joué, moi. Les affaires reprennent. Oh, le sandwich, il est balèze. J'aurais bien tapé un croc dedans. Okay. Simon a raison pour ces camions. Ils ont forcément dû laisser des résidus derrière eux. Hey, Miles. Pareil qu'il y a un gala super chic au musée. Si je trouve les pièces manquantes. Ouais. Moi, je suis jamais allé à un gala. Tu veux y aller, c'est ça? Ah, bah enfin. Comment je m'habille? Costard noir, un peu classe? Mec. Laisse-moi bosser. Ouais. Alors, bonne chance. Oh là là, le jeu, il est trop stylé. Mais vous avez vu comment... Le fait qu'on ait Miles, je sais pas si vous avez fait attention, l'ambiance elle change de ouf. Les musiques et tout changent, même la petite musique d'ambiance en fond elle change. Je ne crois qu'on puisse faire ça. J'étais si emballé par cette expo, par tout le musée d'ailleurs. Je me trouve vraiment dans une situation regrettable. Enfin, vous savez à quel point il m'importe de protéger l'histoire collective de cette communauté. Tout à fait, et j'espère évidemment que ça n'entravera pas votre soutien. Très bien. Voyons voir si ces camions ont laissé des traces. Ok. Bon, on va dire qu'il s'est pas passé beaucoup de temps entre temps, si vous voyez ce que je veux dire. Inspecter le résidu. Mais frère, c'est moi qui suis fou ou... C'est ça qu'il faut que j'inspecte. Spider-Man est là. Spider-Man, des nouvelles? Je suis sur une nouvelle piste. Je te tiens en jeu. Oh. J'ai l'impression que ça pourrait bien provenir d'un vieux camion de braqueur. Mais vous connaissez la position. Ça sent le soufre à plein nez. C'est un vieux moteur, pas de doute. Oh, ok. J'aime bien ces quêtes-là, je vais pas vous mentir. Pour réussir à identifier la substance.
Je vais devoir me débarrasser des pollueurs. Salut Spider-Man. On sait que vous nous filez un coup de main. Merci. Merci. Alors... qu'est-ce qu'on a là? J'ai fait une bêtise. Ça a l'air ok, hein. Et ben voilà. Let's go. Je l'ai. Hydrocarbure aromatique. Ça serait jamais passé à travers un pot catalytique. Hey, man, t'avais raison. Le camion était si vieux qu'il a répandu un polluant bien spécifique. Fantastico. Tu peux le retrouver? Je suis en train de le chercher. Je commence vraiment à croire qu'on arrivera à tout retrouver. Les gars... qu'on réussira à faire ce gars-là. Et qu'on pourra sauver le musée. 8 jetons de héros, c'est juste énorme. Ouais, 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 ouais. On va se chaque régaler si temps. On y arrive. Oui, je sais. Bon, sois prudent. Et surtout, tiens-moi au courant. Les bras ou les jambes? Je vous entendais plus, désolé. Bref, on a livré tout ce qu'on a pu. Le reste est tombé du camion. Vous avez plutôt intérêt à le trouver. Ouais, ouais, je comprends très bien. On continuera de chercher le dernier objet. Il nous l'a fait à l'envers. Je te l'avais dit, non? Non. Hein? Il nous paiera quand on lui aura livré le saxophone. Ouais, c'est possible d'être aussi balèze que ça? Calme-toi, espèce d'andouille. Ce mec a plein de thunes. Faut juste qu'on lui fasse plaisir. J'en ai marre. Je vais aller trouver ce type et prendre mon pognon. Tu vas faire foirer le contrat et nous griller. Il a raison. On devrait aller lui réclamer ce qu'il nous doit et tout de suite. Vous avez aucune patience, les mecs. Le bruit venait de par là. Par là. Ok. Vraiment désolé pour toi. Ouais, t'es le plus balèze. Hop. Terminé, la terreur. Ça, c'est la terreur du lycée. Et ça recommence. Allez. Ça, c'est le copain de la terreur du lycée. Et ça, c'est le pote du pote de la terreur du lycée qui connaît un gars qui était une terreur au lycée. Ok. Il est où, le last? Bah, mon frère. T'abuses, toi. Viens là. Viens là, mon pote. Je te mets dans ma toile. Ok. Allez, finito. Mate tes conneries. Et j'éteins la lumière. Bon. C'était le dernier. Plus qu'à ouvrir le camion et à récupérer le reste des pièces du musée. Il est vide. Ils ont déjà dû donner ce qu'ils contenaient à leur chef. Décidément, toutes les routes semblent mener à ce type. On dirait un téléphone. Boss. D'accord. Donc il y aurait un truc qu'ils recherchent encore. Charlie Parker, dis donc. Ça ressemblerait pas à Peter Parker? J'ai trouvé le deuxième camion, mais il était vide. Oh non! Mais ils ont réussi à perdre une des pièces. Le saxophone de Charlie Parker. Oh! Miles! Va vite au CJ Walker Park. Ok. Pourquoi? L'une de nos stagiaires aurait entendu un gars décrire un saxo qu'il a trouvé. Au début, je la croyais pas. C'est un peu une... bottichera. Eh ben, si c'est celui qu'ils ont perdu, leur chef avait l'air d'avoir très envie de le retrouver. Ça ne m'étonne pas. Charlie Parker est une légende. Ce saxophone est inestimable. Qui je dois chercher dans le parc? Je sais pas comment elle s'appelle, mais elle a dit qu'un joueur de trompette en parlait. De trompette? Ça marche. Merci, ma petite araignée. Allez, on y va! Te quiero. Il faut que je me change d'abord. Je voudrais pas perturber le festival. Ok. Bon, alors, où est ce trompettiste? Non, mais ça me fait super plaisir. Attends, tu rigoles. Cet endroit est devenu bien plus sympa que quand Fisk et ses potes le contrôlaient. Et ils ont doublé toutes les conversations, c'est incroyable, hein. Salut, Miles. Salut, ma pote. Ça va? Vous êtes avec Gloria? Non, elle travaille. Je viens d'arriver.
Et je cherche un joueur de trompette. Ça vous dit quelque chose? Ouais, Théo est ici avec sa trompette. Théo joue de la trompette? Mm-hmm. Je crois qu'il était pas loin de cette arche, là-bas. Merci, Steph. Et dites bonjour à Gloria de ma part. Allez, on va faire cette dernière conversation. Petit coiffeur au calme. Ah, bien frais, chacal. Bon, ça va? Bien, pas mal occupé. Et toi, le salon de coiffure? À merveille, mon ami. Et alors, dis-moi, c'est Lox? J'adore. Ma mère a mis un peu de temps à s'y faire, mais j'ai fini par la convaincre. Ah, continue de les entortiller. Elles te vont super bien. Merci. À la prochaine. Bon. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. C'était l'épisode spécial Quête Annexe. On va très vite reprendre le sérieux dans l'épisode suivant, alias le numéro 30. C'est un très beau chiffre pour faire du sérieux et du sale. Allez, à bientôt pour la suite et la fin de cette quête.